Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de l'émission Connecté Valleyfield. Et quoi de mieux pour vous accueillir que de vous présenter notre lancement de programmation. Bonne écoute et bonne saison. Jacques, qui est derrière la caméra, et moi, on a travaillé très fort cet été sur un projet de documentaire, un petit documentaire sur le site de kayak en eau vive à Salaberry de Valleyfield. Le 5 septembre dernier, votre télévision locale dévoilait sa programmation automnale dans le cadre d'un lancement. C'était l'occasion de présenter les incontournables, mais également trois nouveautés. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai été diagnostiqué avec une dysphasie, j'avais des problèmes d'apprentissage. C'est légal et juridique de savoir que tu as réussi à passer un test. Mais raccroche-toi, c'est une émission qui, d'abord, moi, je voulais nourrir l'estime de soi des jeunes qui y participaient parce que je pense que c'était important qu'ils parlent de leur parcours, c'est tellement beau. Puis l'idée aussi, c'était qu'eux autres puissent redonner au suivant. Ils peuvent inspirer d'autres jeunes, puis il y en a plusieurs même parmi eux. Qui ont lancé des messages, tu sais, qui ont encouragé les jeunes à rester à l'école ou décroche pas. Fait que je trouvais que c'était vraiment un bel endroit pour qu'ils puissent s'exprimer. Venez avec moi découvrir la Montérégie Ouest. Je vous présenterai les trésors cachés de la région. On a découvert du monde incroyable. Vraiment là, incroyable, que ça passe par des spas, que ça passe par des fermes agricoles, que ça passe par des fermes laitières. Franchement, c'est à découvrir. Nous-mêmes, on l'a découvert en tournant ça. Hey, la balle qui est très haut dans les airs et elle va redescendre. Et on complique la chose avec des bombes lacrymogènes, mesdames, messieurs. Défi d'ici, en fait, c'est que chaque semaine, on reçoit deux organismes qui viennent s'affronter dans une série de trois défis par émission qui sont parfois exigeants, mais souvent loufoques. Et donc, on les amène à faire plein d'affaires dans des différentes entreprises sur le territoire. Donc, c'est une façon de découvrir les organismes du territoire d'une façon différente, mais aussi de découvrir des lieux touristique, des lieux de consommation de notre territoire d'une façon qui est un peu différente. Ça va être, somme toute, assez le fun à regarder. En tout cas, c'est bien le fun à faire. Donc, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le regarder que nous, on en a eu à la produire, cette émission-là. La programmation automnale vous réserve également la seconde saison de l'Instant Podium, de nouveaux matchs de la Ligue d'improvisation L'Engrenage, la 16e édition de Ma foi, c'est vrai, un documentaire sur le parc d'eau vive à Salaberry de Valleyfield, le télé-bingo, la séance du conseil municipal de la ville de Salaberry de Valleyfield et votre émission d'information Connecté Valleyfield. Pour en savoir plus sur la programmation, rendez-vous sur le site internet nous.tv/Salaberry de Valleyfield.